Je m'appelle Alexandre Minassian, je suis en MA Marketing, j'ai 22 ans et je pratique le rugby depuis une douzaine d'années. Marier les études et le sport, j'ai envie de dire que c'est venu assez naturellement parce que maintenant ça va faire 12 ans que je fais du rugby et depuis le lycée où je suis en sport-études. De par le statut de sportif de haut niveau, on va avoir droit en fait à quelques aménagements ou tels que des heures de soutien. Si on a besoin dans une matière, on peut s'adresser au prof et donc dans mon cas, j'ai le droit à 5 ou 6 heures. Mais ça peut aller jusqu'à 20 heures pour ceux qui ont le statut sportif de niveau le plus haut. Puis après, forcément, pour les examens, si j'ai une compétition qui arrive à ce moment-là, on peut déplacer un examen ou des choses comme ça, quoi. Un plus pour les études, oui. Oui, forcément, clairement, ça m'a beaucoup aidé pour entrer, que ce soit en DUT ou même à l'IE. C'était un plus, notamment pour les valeurs qui se dégagent derrière le sport. Parce que j'ai l'impression que c'est des valeurs auxquelles sont attachés les gens qui nous recrutent, que ce soit à l'IE ou quand c'était en DUT. Quoi. Performer dans le sport et dans les études, oui. Inconsciemment, oui, parce que quand on se sent bien dans la tête, quand on performe en sport, on est bien dans sa tête. Et ça, forcément, ça influe sur l'école. Par exemple, là, je suis blessé, donc on est un peu dans une spirale négative, on ne sait pas quand c'est qu'on va reprendre. Et on est de moins bonne humeur et peut-être que ça va jouer sur le résultat. La blessure, oui, ça va changer mes projets d'avenir. Clairement, déjà depuis que je joue plus FCG et qu'on m'avait mis un petit peu dehors, j'ai bien compris que je ne ferais sûrement pas carrière dans le rugby. Mes projets depuis que je suis rentré en licence et Master 1, ils sont clairement tournés vers les études maintenant. Depuis que j'ai compris qu'il fallait faire un choix, maintenant c'est vraiment les études, notamment Master 1 Marketing, tout en jouant au rugby, mais en diminuant peut-être le nombre d'heures dans la semaine. Allier le sport et les études, je ne le ferai pas de manière différente, parce que je pense que je l'ai plutôt bien fait, puisque j'ai eu de bons résultats sportifs, notamment quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait de bonnes compétitions, j'ai joué au meilleur niveau jeune, et les résultats scolaires ont toujours suivi. Seul regret que j'ai, c'est... Je suis d'origine arménienne et j'aurais pu jouer en sélection arménienne. J'ai pas poussé, j'avais eu un appel il y a quelques années, j'ai pas poussé dans ce sens pour continuer. C'est le seul regret que j'ai au niveau sportif, quoi. Pour moi, c'est faisable, il y en a d'autres qui l'ont fait, de marier les études avec le sport. Et jusqu'à présent, ça a marché.